Salut les amis, la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va préparer une soupe d'hiver, soupe au poivron farci. Voilà, très bonne soupe et très facile à faire. Alors ici, j'ai des poivrons, un rouge et un vert, avec un oignon et 4 gousses d'ail. Vous pouvez aussi utiliser les autres poivrons. Voilà. Alors, on va commencer par hacher l'oignon. Voilà. Ensuite, les 4 gousses d'ail. Le poivron rouge qu'on va couper en dés. En ce moment, au Texas, il fait très froid le soir. Pendant la journée, bon, ça va. Il fait très froid de bon matin. Matin, de bonne heure. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de boire des soupes bien chaudes, qui réchauffent. Voilà, alors le poivron rouge est coupé en dés. Maintenant, c'est le poivron vert. Voilà. Alors, on va mettre tout ça de côté. Et dans une marmite, on va essayer de faire cuire de la viande hachée. Alors, la viande hachée, ici, j'ai du bœuf qu'on va bien faire cuire. On va saler. Poivrer et bien mélanger. Voilà, une fois que la viande est bien cuite, on va la placer dans un petit bol et la mettre de côté aussi. Et dans la même marmite, on va rajouter 4 grandes cuillères d'huile d'olive. Et on rajoute les poivrons, l'oignon et l'ail. On va bien mélanger. On rajoute une grande cuillère d'herbe de Provence. Et on va les faire revenir pendant 4 minutes, à peu près 4 à 5 minutes. On rajoute la viande hachée. Trois tomates coupées en dés. De la sauce tomate aussi, voilà. Et 2,5 tasses de bouillon de bœuf sans sel. On mélange très bien. Et on va laisser cuire tout ça pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, on va faire cuire une tasse de riz. Alors le riz, d'abord ça cuit vite, mais aussi ça gonfle, donc une tasse suffit. Le riz, ça prend 10 à 15 minutes
Après 20 minutes, on rajoute la tasse de riz cuit et on mélange très bien. Voilà. On va laisser mijoter quelques minutes. Il faut toujours bien mélanger, hein. Voilà, quelques minutes. Ensuite, la soupe est prête. Ça sent très bon. Elle est très bonne et elle est très facile à faire. Surtout quand on aime les poivrons, franchement, il faut la faire. Bon appétit !